Bonjour et merci de visionner les vidéos de Clinique du Cheveu, le réseau d'experts européens en thérapie capillaire. Nous allons aujourd'hui aborder la problématique des chutes de cheveux saisonnières. Les chutes de cheveux saisonnières sont ce que l'on appelle un phénomène alopécique passager, c'est-à-dire une accélération momentanée de la chute des cheveux. Cette accélération de la chute de cheveux est due au fait que pendant la période de printemps et d'été, due à la chaleur et au soleil, l'organisme fait face à une stimulation hormonale qui accélère la pousse des cheveux. Arrivé à la période de l'automne, les cheveux qui ont été précédemment stimulés arrivent en phase de mort, c'est-à-dire en phase télogène, et les cheveux tombent. Il faut comprendre que chacun d'entre nous a en moyenne 130 000 cheveux sur la tête. En temps normal, nous perdons entre 50 et 100 cheveux. Pendant la période de la chute saisonnière, ce chiffre peut être multiplié par 3, voire par 4. Ce phénomène, encore une fois, est un phénomène passager qui se régule généralement au bout de 4 à 6 semaines. Est-il nécessaire de traiter les chutes saisonnières? Quoi qu'il en soit, il est toujours nécessaire et préférable, au minimum, d'entretenir sa chevelure avec des produits doux et non agressifs. Si la chevelure est préalablement fragilisée, au moment de l'automne et de la chute saisonnière, la chute saisonnière peut donc aggraver le phénomène de fragilisation de la chevelure et déboucher vers des phénomènes alopéciques plus graves, voire même vers des phénomènes de calvitie. Il est donc, dans le cadre d'une chevelure préalablement fragilisée, il est donc important de se traiter de façon à limiter les effets dans le temps. Pour cela, il n'est pas nécessaire d'avoir des traitements très importants. Un traitement simple et efficace peut être proposé. Alors, ce traitement des laboratoires Clinérience est un traitement simple d'utilisation et complet. Donc, on a le shampoing BPC, qui est un shampoing qui va stimuler la pousse, d'accord, et limiter les effets de l'alopécie passagère, en utilisation 2 à 3 fois par semaine. La lotion CCL qu'on a déjà vue dans une vidéo précédente, qui est une lotion anti-chute testée sous contrôle médical avec une efficacité prouvée à plus de 95% contre la chute des cheveux. La lotion CCL en utilisation quotidienne sur le cuir chevelu. Et le complexe de vitamine GPC, d'accord, qui va également stimuler la pousse et limiter, là encore, le phénomène alopécique. Donc, dans le cadre de la chute saisonnière, on a donc un traitement très simple qui se prend, on va dire, en moyenne sur 2 à 3 mois jusqu'à l'hiver. Un traitement très simple, un shampoing qui agit sur la fibre capillaire, une lotion qui agit sur le cuir chevelu et des compléments alimentaires et des vitamines qui agissent en interne au niveau des bulles. On a donc un traitement complet. Ce traitement est disponible dans tous les instituts cliniques du cheveu en France et en Europe. Vous retrouverez toutes les adresses des instituts sur www.cliniquesducheveux.fr. Je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner notre vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos concernant l'entretien de votre cheveu et de votre cuir chevelu. Merci.